le cirque. J'ai pas foutu de retrouver quelque chose. Le bazar. Ce décor, pas authentique. Merde, il fait gel en plus, j'ai froid. Où est ce câble? Allez, vieux singe, c'est l'occasion de me rendre service. Il va réchauffer l'atmosphère. Peut-être qu'il est là, ce miroir. Le voilà. Toi, pour cette pièce, tu feras très bien l'affaire. Ce soir, la première. Il faut qu'on se refasse, qu'on leur en mette plein la vue. C'est le décor qui va pas. Quel foutoir. On va se perdre dedans. Et puis la pièce. Mais il faut pas triper. Je ferais mieux la démonter. Assez. C'est pas fini. Assez. Au maquillage, tous au maquillage. Je veux qu'on fasse l'heure. Ça doit marcher ce soir. Sinon, dehors, la troupe, c'est fini. Vous irez manquer dans le caniveau. Excusez-moi de vous déranger. Je souhaiterais parler à Madame Béjart. Vous la connaissez? Je cherche Lise Béjart depuis longtemps déjà. Je suis Luc. Fils. Je ne le connais pas. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? C'est moi, Luc. Depuis 2 ans, je vous ai cherché partout. J'ai visité tous les théâtres et toutes les troupes ambulantes. Petit, comment vas-tu? Tu sais ce soir que c'est la première. C'est moi qui ouvre le spectacle. Il faut qu'on fasse l'heure. Là, c'est la meilleure place. Le meilleur fauteuil, tu seras bien. Habillé.
Un crime innocent, comme un rêve qui revient. Tu comprends maintenant? C'est à cause de ce retour, le retour d'un rêve qui était enseveli, demeuré un rêve pour moi aussi pendant tant d'années. Tu te rappelles pas quand nous étions enfants, de ce petit paysan qu'on a retrouvé mort à l'aube, la tête fracassée? Tout le bourg avait couru pour le voir. Et toi, tu avais voulu que j'y aille aussi, mais moi, je n'ai pas voulu. Oui, c'est moi qui l'ai tué. Et l'on n'a jamais découvert qui pouvait l'avoir tué. Moi-même, je l'ai oublié tout de suite après l'avoir tué. Tu comprends? C'est cela qui est horrible. Et cela peut arriver. C'est arrivé. On ne sait comment. Pense donc, à cause d'un lézard,